aujourd'hui, je suis au FDF4 pour obtenir une qualification, donc feu de forêt, liée à mon nouvel emploi opérationnel. Le parcours, c'est de continuer à développer des compétences, puisque dans ma fonction, je suis amené à être COS départemental et donc à avoir la connaissance du feu de forêt également dans les missions opérationnelles. En Mayenne, c'est pour l'instant un risque particulier, mais il faut se préparer et également pouvoir venir en renfort des collègues qui sont confrontés à ce risque. Parce qu'aujourd'hui, je suis chef de colonne, je vais devenir chef de colonne sous réserve d'être formé au feu de forêt, puisqu'au sein des Bouches-du-Rhône notamment, le feu de forêt est une qualification obligatoire à avoir pour tout sapeur-pompier. Aujourd'hui, on nous apprend à gérer des interventions donc de niveau 4 qui correspond aux emplois de chef de colonne, la gestion de plusieurs groupes d'interventions. C'est une formation très enrichissante de par son contenu, de par les formateurs qui viennent dispenser, partager leur expérience et aussi également de ce groupe que nous formons de stagiaires d'horizons et d'expériences différentes et qui nous permet de nous construire. Alors ce qui est intéressant, c'est l'échange avec les collègues de l'ONF qui nous amène une lecture différente de la forêt et donc une compétence supplémentaire également dans l'interservice. Moi j'ai commencé mon premier stage feu de forêt il y a 25 ans à Fontevraud, donc déjà dans le nord de la France, mais je souhaite poursuivre à développer mes compétences jusqu'au niveau FDF5 puisque la fonction de COS départementale s'impose et il est obligé de continuer à développer les connaissances et la culture du risque. C'est lié tout simplement à mon emploi dans le service d'incendie des Bouches-du-Rhône. C'est une qualification qu'il faut obtenir et bien entendu, si on exerce dans les Bouches-du-Rhône comme dans d'autres départements de l'arc méditerranéen, c'est que quelque part on a un certain attrait pour le volet opérationnel appliqué au feu de forêt. Valabre, c'est l'école du feu de forêt en France. C'est aussi un endroit où on fait de la prospective et de la recherche pour améliorer la lutte. Être à Valabre, c'est la maison mère pour nous sur la formation feu de forêt, tout comme d'autres spécialités, le secours en montagne, le sauvetage des bléments. C'est des choses qui sont pratiquées au sein des Bouches-du-Rhône et dont certains domaines me parlent. Oui. Voilà, donc de me retrouver aujourd'hui, revenir à Valabre ici, oui, c'est un plaisir. Un élément important de cette période FDF4, pour moi, essentiellement, c'est l'expérience partagée. Oui, parce qu'il est important de se préparer à l'avenir, aux 10 ans, 20 ans à venir, et également d'accompagner nos équipes à développer les compétences en matière de feu de forêt. Le sentiment personnel, c'est de continuer à développer en compétences. On apprend de tous et pour tous, donc c'est l'échange qui est essentiel dans ce type de formation.